Retrouvez les recettes 750 grammes avec Samsung. Une recette très printanière, hein, d'accord, à partager entre amis. Aujourd'hui, la raclette, ok? Alors c'est parti, on va vous montrer quelques principes. Vous avez tous fait des raclettes. Nous, on va vous donner 2-3 petits conseils et astuces. Et allez, c'est parti, vas-y, bosse. Alors, on va attaquer les pommes de terre qu'on va trancher dans la longueur, parce que ce sont des petites rades, des primeurs, voilà. Hein, petites pommes de terre primeurs, sympathiques. Voilà, les pommes de terre, on les a cuites départ eau froide, fleur de sel, et on a rajouté une gousse d'ail et un tout petit peu de thym pour bien parfumer les pommes de terre. Préférez les primeurs parce que là, on a vraiment quelque chose de vraiment très gourmand. Allez, go. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Bon, moi, j'aime les champignons, je vais mettre un peu de champignons. Alors, si vous aimez les poivrons, vous mettrez du poivron. Et si vous aimez les petits oignons, n'hésitez pas. C'est vraiment, ce qui est sympa, c'est que chaque convive va faire sa petite recette. Les bacon, allez, hop. Un petit peu de jambon sec. On aurait pu mettre aussi un petit peu de saumon fumé, vous voyez, par exemple. Vraiment sympa avec le saumon fumé. Et là, forcément, qui dit raclette, dit fromage à raclette. Ou un autre fromage. Alors, bien évidemment, on peut varier les fromages. On n'est pas obligé. On va essayer avec un petit camembert. Alors, vous avez compris, hein, là, on met du camembert, mais n'hésitez pas vraiment à mettre les parfums, les fromages que vous aimez, plus ou moins forts. Faites-vous plaisir, hein, voilà, c'est très simple. Voilà, et on va glisser les petites poêles à raclette, là, sous, pour vraiment caraméliser la raclette. Faire fondre le fromage. Voilà, vous sortez vos petites raclettes là, terminées. Alors moi, j'adore un tout petit peu d'huile, léger pour la gourmandise. Quelques gouttes parce qu'il y a quand même un petit peu de fromage. Hein, un petit peu de piment d'Espelette. Hein. Voilà. Poivre du moulin. En fait, c'est sympa d'avoir des épices sur table pour que vos convives puissent assaisonner comme ils aiment. Des cornichons. Une petite julienne de cornichons, là, un peu, c'est vraiment sympa. Un petit peu d'oignon, pourquoi pas, sur l'autre. Allez, on va mettre des oignons. Alors, le top du top, c'est la petite crème fraîche, épaisse, légèrement acide. Hein, où vous mettez ça dessus. Et ce contraste chaud-froid, là, ça va être dingue, d'accord? Et puis n'oublions pas la touche verte. Ah! Là, plein de petites herbes fraîches. Là, on a du persil plat. Vous n'hésitez pas. Vous maintenez vos petites raclettes, là, au chaud. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? À table. À vous de jouer.